personne ne veut perdre la lecture. Papa. Ah, papa. Ma petite fille. Oui, papa. Oui, tu es la bienvenue dans la maison merci de ton papa, père. Quand on oh, papa, moi tu aussi. Restes collé chez toi. Tu ne viens plus aux réunions de business comme avant. Non, pas lorsque j'entends mon ange du ciel. Papa, où est maman? Elle est à l'intérieur. Ok. Allons-y. Je suis heureuse que tu es heureuse. Vraiment. C'est vraiment génial de te voir revenir à la maison. Maman. Tu es la bienvenue. Et comment était ton voyage? Pour dire vrai. Merveilleux. Oh. En fait, c'était très intéressant. Regardez ce que vous êtes devenue. Oui, papa, vraiment. C'est génial. Devine quoi, chérie? Quoi? J'ai préparé un de tes préférés. Les frites? Oh. Tu ne mérites que ta favorite. C'est très gentil. Je suis très contente. Moi et ta mère, nous ne pouvons plus attendre voir le monsieur qui a choisi de prendre soin de toi pour la vie. Papa, oui, c'est clair. Ça. Je veux dire, même si je vais me marier, je ne vais pas autant vous oublier. Mais tu dois comprendre du fait que nous, les parents, c'est comme ça qu'on se comporte. On passe souvent à la même chose au même moment. Et c'est juste pour te voir heureuse. En tout cas, vous êtes terrible. Ne vous dérangez pas. Vous allez les rencontrer ce week-end et vous comprendrez pourquoi nous nous aimons autant. Heureusement. Donc, Osamu Julosoya. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez, dites-moi. Tu veux dire tout ce que vous racontez en langue maternelle? Ojako, Adjani. Allez, dis-le-moi. Tu la connais très bien. Oh, bien sûr que oui. Je pense que c'était un très beau. Allez, ne vous dérangez pas, j'ai tout compris. C'est des pompes. Oh, t'es sérieuse? Je vais les rencontrer, non? C'est pour se répondre, sans faute. Maman, je me régale bien. Merci. Ta cuisine m'a beaucoup manqué. Spécialement pour toi. Ta présence nous a manqué. Merci. Tara, toi, tu es vraiment unique à ton genre. Comment tu peux dire à tes parents que je sais le faire alors que ce n'est pas le cas? En fait, ok. Et si ta mère me demandait de le faire une fois que je viens te visiter? Tu sais combien je n'aime pas faire la cuisine. Tu sais bien que je déteste cela. Es-tu sûre? Eh bien, je te crois. Dans tous les cas, c'est toi qui la connais mieux que moi. Bébé, je vais me reposer. Je vais d'abord aller prendre au bain. Après, je vais venir dormir. J'ai une journée très chargée demain. J'ai une discussion très sérieuse avec mes parents. Bye. D'accord, chérie. Je t'aime. C'est bon. Bonne nuit. Je t'aime. Oui, entrez. Oh, maman. Hey, laisse-moi m'asseoir. Oh. Comment tu vas? Je vais bien. Je viens à peine de parler avec mon petit ami. Maintenant, je vais aller prendre bain et dormir. Je me sens très fatiguée. Tu dois vraiment te reposer. Tu dois le faire. Oui. Juste regarde-toi. Ma petite fille de... juste 23 ans, tellement elle a grandi et elle est prête à se marier. Elle est très prête à se marier. Maman, je serai toujours ta seule et unique fille. Ton petit cœur a gardé jalousement. Je le sais.
Tu sais quoi? À quoi? Il y a juste quelques minutes passées, tu devrais voir la peur sur le visage de ton père. Il ne peut y croire que sa petite fille est prête à se marier. Oh. Et pas seulement ça, parce que je n'ai pas ce pressentiment que probablement, depuis que tu as fini tes études, tu devrais être mariée par un homme blanc et décider de tout finir là-bas. Et juste, regarde ce qu'on a maintenant. Tu te maries à un homme noir comme toi. Et à part ça, c'est un homme vraiment fort pour avoir gagné ton cœur. Maman, attends une minute. Ça veut dire que papa préférerait que j'épouse un blanc? Non, pas vraiment, pas ça. Peu importe la personne, ça va pour lui. À moins que cette personne t'aime profondément. Et tous les deux, vous serez heureux de vivre ensemble. Ok, il n'y a aucun blanc. Et je dirais que c'est la destinée qui a fait que je rencontre cet homme à la peau noire. C'est bien. Maman, attends. Je crois que vous n'avez pas de problème avec ça. Un problème? Je suis contente pour toi aussi longtemps que vous vous aimez tous les deux. Et il te rendra heureuse. Oh, merci, maman. Je l'aime énormément et il me rend très heureuse. Oh, je suis heureuse de l'entendre. Ok, je dois te laisser. Tu dois prendre ton bain comme tu l'as dit et dormir. Allez, je te fais bisous. Je t'aime beaucoup. Mes salutations à ton mari. Oh. Dis-lui que je l'aime. Oui, allô, chérie. Oh, oui, je suis au volant. Je suis en route. Où es-tu? Ok. Oh, bien, je vois. C'est juste à côté du restaurant. Ok, d'accord. Voyons-nous. Je crois que tu es là. Ah, ok, d'accord. Merci. Je te verrai plus tard. Bye. Le temps passe tellement vite. Bébé. Gatti. Tu m'as fait peur. Oh, désolé. Je voulais juste un peu te faire peur. Écoute ce que tu dis, bébé. Pourquoi? Désolé, bébé. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici pour commencer à jouer à cache-cache. Tu dois savoir que je ne suis pas fou, n'est-ce pas? Vraiment? Bien, ça c'est l'alimentation des mamans. Elle va diriger un restaurant ici et puis il y aura certains appartements. Ok, mais c'est la raison pour toi d'agir ainsi. Je suis désolé, tu sais. Désolé. À moins que tu me fasses un bisou. Et notre bisou? Ne me dis pas que tu ne vas pas changer l'ancien système. Ok, pas de problème. Tu m'as manqué, Fanny. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Je suis content de te voir. Tu vois, Londres a bien traité mon bébé. Tourne. Tu es resté je tout seul pendant de te voir. Beaucoup de temps. Tu n'as même pas eu la pensée de venir me rendre visite pendant les vacances. Oui. Tu aimes tellement ton pays. Tu peux le répéter encore, bébé. J'aime Nigeria. Je suis content de très te voir, content de bébé. Te revoir aussi. Ou au cas contraire, nous devons commencer à partir maintenant parce que mes parents, ils sont vraiment impatients de te voir. Hein? Ils t'attendent, tu sais. Nerveuse? Ok, c'est le climat du Nigeria. Mes parents sont des bonnes personnes, ok? Ok, d'accord. Est-ce que ça va? Peut-être que je dois être normale, comme si de rien n'était. Où? Je crois que c'est ça. Espérons que ce sera une rencontre très bien, magnifique. Afdi? Tout va bien.
sommes-nous arrivés? Et voilà, nous allons prendre cette route, comme ça. Oui, comme ça. Alors, pourquoi tu as parqué ici? Désolée, je crois que je n'y arriverai pas. Bébé, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bébé, qu'est-ce que tu racontes? Je t'avais dit de te calmer. Ah, mes parents me parlent de toi, tu sais. Bébé. C'est toi qu'ils attendent. Mais bizarrement, j'en ai l'impression. Je ne saurais y aller aujourd'hui. Je n'en peux pas, désolée. Mais j'ai déjà dit à mes parents qu'on va venir aujourd'hui. Du genre, nous sommes en route pour aller maintenant même. Tu peux leur dire que j'ai eu une urgence. Ifemi, arrête. Qu'est-ce que tu imagines que ça pourrait être? Mais bébé, regarde-moi. Mais pourquoi tu as peur? Je ne sais pas, je ne sais me saisir. J'ai juste peur. Ah. Tu sais quoi? Quoi? Bien, je le ferai demain. Demain, je serai prête pour y aller. Et qu'est-ce qui te fait marrer? Ifemi. Ok, donc tu veux me dire que, à propos de cette question, n'avons-nous pas parlé de ça lorsque tu venais? Bien, peut-être. En tout cas, ce n'est pas amusant. Ce n'est pas amusant du tout. Mais parfois, tu es tellement amusante. Très bien, ok. C'est bon, c'est bon. C'est pas grave, ok? Non, 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 non. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec toi. Merci. Oh, merci pour la compréhension. C'est pas grave. Je suis désolée. Merci beaucoup. Ne dis pas ça. Pourquoi? En fait, je ne sais pas si je vais te comprendre. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Oh, c'est pas grave. Alors, c'est bon, je comprends que tu ne veux pas voir mes parents en ce moment. Ok. Alors, on rentre à la maison ou aller quelque part? Ok, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas mauvais comme idée. Tu as vraiment raison. Très bien. On fait d'accord. Ce que tu veux, alors. Salut, maman. Alors, dis-moi maintenant, chérie. Alors, comment était le rendez-vous avec ta belle famille? Je ne crois pas avoir dit que j'allais le rencontrer aujourd'hui. Je le verrai demain. Ok. Maman, est-ce que je peux te poser une question? Je t'écoute. Étais-tu nerveuse ou anxieuse quand il fallait rencontrer le parent de papa? Maman, ne écoute, ma chérie, c'est vraiment naturel d'être nerveuse ou être stressée. Je l'étais, oui. Ok. Mais tellement gentil. Ils avaient touché mon cœur. Et juste pour quelque temps, ils sont tombés amoureux de moi. Et je suis tombée amoureuse d'eux. C'est allé très bien. Je vais faire chance moi aussi. Voyons bébé, de malchanceuse. Arrête de t'en vouloir toi-même. Tout ira mieux. Ils vont t'aimer. Tu vas voir. Hein? Laisse-moi te dire. Ils doivent être le gens le plus chanceux dans ce monde pour avoir ma très chère princesse comme leur belle-fille. Ne t'inquiète pas,
tout ira mieux. Ils t'aimeront. C'est ce que tu penses. Mais c'est ce que je sais. Ne te dérange pas. Ils vont t'aimer de la même façon que ton père et moi t'aimons. Hein? Merci, maman. J'en avais vraiment besoin. Et pourquoi penses-tu que je suis là? Merci, prie, maman. Chérie. Je reste positive. Ben et je voilà. crois que je serai très bien accueillie. C'est vraiment spirituel. D'accord. Okay. Le temps pour moi de me rafraîchir. Je vous rejoins au salon. Merci, maman. Oh, bien. Je t'en prie. Oh, je crois que je dois dormir. Je suis fatiguée. Alors, dors bien. Ok. Ifemi. Mais ils sont où? Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? C'est déjà le soir. Ah, mon mari, qu'est-ce que j'en sais? J'appelle ton fils depuis, mais il ne décroche pas mes appels. Ah, ah. Ah, ah. 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 Maman? Mon fils. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne décroches pas mes appels. Ah, je suis désolé. Mon téléphone est sous silence. Je n'ai même pas entendu sonner. Oh. Très bien. Où est la fille? Nous avons attendu ici toute la soirée. Il y avait une petite complication. Elle ne pouvait pas le faire aujourd'hui. Que veux-tu dire par là? Ah ah. Après avoir cuisiné Amala spécialement pour elle, elle a tout annulé? Maman, je veux le manger. Mais papa n'aime pas Amala. Pourquoi elle n'apprécierait pas Amala? N'est-elle pas Yoruba? Elle l'est, maman. Elle n'aime pas ça. Elle n'apprécie pas Amala. Alors, quand est-ce qu'elle viendra? Dis-moi. Maman, je pense que demain, elle viendra. Très bien, c'est bon. Fais en sorte qu'elle ne nous déçoive pas demain. Hein? Parce qu'elle a déjà fait une mauvaise impression aujourd'hui. Parce que l'entendu n'est pas venu. Papa, ne les prends pas au sérieux. Dis-le c'est très chéri. Sérieux. C'est très sérieux. Bon, je suis fatigué. Je dois aller au lit. Reste là, tu dois manger ce que ta mère a fait pour elle. Papa. Il est inquiet. Je suis désolé, c'est pas juste maman. Ce qu'elle a fait. Maman. Alors qu'arrivera-t-il à ce que je prépare? Maman, je vais tout manger. C'est bon, vas-y manger, va dans la cuisine. Je dois aller rejoindre mon mari. Je m'en vais me coucher. Je suis vraiment crevée. N'aie pas peur. Ce sont des humains juste comme toi. Ils ne vont pas t'évaluer, ok? Sois sûr de toi. Sois juste calme. Aie tes apaisements, ok? Qui est là? Qui est là? Attendez une minute. Hé hey bébé, regardez-moi cette américaine qui est venue. Comment vas-tu bébé? Oui, ça va. Bien. Voyons, arrête d'être timide comme ça. Ah bien, je n'ai pas de choix. Dans l'entretemps, je dois voir quand même mes beaux, n'est-ce pas? Et voilà, tu vas le rencontrer. Allons-y. Est-ce que ça va?
Très bien. Si tu regardes derrière, tu vas me voir. Allons-y, allons-y. Oui, mon bébé à l'heure, mon bébé. Nous voilà. Bienvenue à la maison. Papa? Maman? Oh. Voilà Femi. La fille que j'ai choisi d'épouser. Salut les gars. Je m'appelle Femi. Tu as dit quoi? C'est nous que tu viens saluer comme ça. Bébé, il y a un souci. Bébé, salue-le d'une manière traditionnelle. Comment le faire? Ah. Hé hé. Mets-toi à genoux pour que tu me salues. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, papa. Et pourquoi tu fais ça maintenant? Papa, elle n'est pas née au Nigeria. Et alors? Ah, voyons. Lève-toi. Écoute, lève-toi. Viens t'asseoir. Allons-y. Ok, désolé. Femi, j'espère que tu sais comment se mange Amala. Ça, c'est le repas traditionnel de vrai Yoruba. Je dois être franche et vous dire que je ne l'ai jamais mangé avant. Ah. Oui. Tu es en train de plaisanter, n'est-ce pas? Non, c'est juste que ma mère ne nous a jamais présenté un tel truc à la maison. Ah. Alors, qu'est-ce que vous mangez chez vous? Ma mère est beaucoup plus dans la cuisine anglaise. Moi particulièrement, je préfère le viande rouge. D'où Jésus? Bien sûr que mon chéri le sait très bien et il l'a déjà goûté. Nous consommons plus les repas. C'est bon, nous t'avons assez entendu. Jeune fille, écoute s'il te plaît. Ne pense même pas à nourrir mon fils, mon beau-fils ici présent, avec toutes ces histoires que tu es en train de citer. La cuisine anglaise, je ne sais quoi. Ça c'est si seulement il parvient à t'épouser. Maman... S'il te plaît, arrête de parler comme ça. Profitons de ce repas calmement, d'accord? Et quand nous aurons fini, nous irons en ville pour continuer cette discussion, d'accord? Bon appétit à tous. Maman, je crois que j'aurais besoin de... couvert pour bien manger, je sais pas s'il y en a. Oh, te gêne pas, vas-y. Va te trouver une cuillère ou je ne sais quoi dans la cuisine. Ok. Madame, cuisine anglaise. Hey, bon, t'es divine. Dayo, hein? Maman? Qu'est-ce que tu es allé nous ramasser comme ça? Maman. Si tu sais ce que tu fais. Non, dis-moi. Ah, ah. C'est quoi ça? Maman, papa... Ah, arrêtez de nous appeler. Papa, maman... Hein? Honnêtement, c'est parce que vous ne connaissez rien du tout de Nifemi. Ah. Elle est meilleure que tout ce que vous croyez. Vous devez le croire. Bon, d'accord. Très bien, d'accord. Très bien. Je l'ai trouvé, maman. La fourchette et les couteaux. Nous, depuis toujours, nous mangeons Amala avec les doigts, oui. C'est comment les goûts? Oui, c'est bon. J'ai parié que tu n'as jamais goûté un plat si délicieux que ça. N'est-ce pas? Finalement,
Mais pourquoi veux-tu prétendre ou ignorer le fait que tes parents ne m'apprécient pas? Bébé, pourquoi tu dis ça? Tes parents ne m'aiment pas. N'as-tu pas vu les agissements? Ils sont restés sur ma personne, se demandant qui je suis. Voyons, bébé, c'est ma mère dont on parle. Je la connais très bien. J'avais vu dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à te voir si belle comme ça. Allez, sois sérieux, Tayo. Hein? Ok, très bien, très bien. Bébé, ne va pas sur cet angle à propos de mes parents. Ok? Ils vont changer d'avis. Ça, je te les rassure. Et pourquoi ils ne m'apprécient pas? En fait, je veux dire que je fais de mon mieux pour avoir une belle apparence. Je suis allée au-delà de mes limites, mais ils ne m'ont pas toujours appréciée. Bébé, tu es tellement bien habillée. N'est-ce pas? Le problème est que mes parents veulent toujours une femme qui peut faire la nourriture traditionnelle, comme le foufou d'Amala. Mais c'est pas un problème, t'inquiète pas pour ça. Ok? Femi, je t'aime beaucoup comme tu es. Ils ne peuvent pas m'arrêter. C'est ce que tu penses? Ce n'est pas ce que je pense, bébé. C'est ce que je sais. D'accord? Arrête. S'il te plaît. Ok. Je ne veux juste pas partir. Tu vas beaucoup me manquer. Ah. Bien, c'est bon. Comme tu fais ce sourire, il n'y a pas de problème. Il va falloir que tu le fasses de temps en temps. Calme-toi, calme-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tayo. Oui, tu m'as vraiment déçu. Ah, ah. Non, ne parle pas! Non, ne parle pas, ne dis rien, ne dis rien! Comment oses-tu, Tayo? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à amener la honte dans cette famille? Non, papa, c'était pas pour ça. Non, c'est déjà allé plus loin que ça! Ah, tu étais allé à Londres pour travailler. Et non, nous amener une fille qui ne sait absolument rien de notre culture. Hein? Non, dis-moi, comment as-tu eu le courage de venir nous la présenter jusqu'ici? Papa. Tu dis, papa? De toutes les filles Yoruba qui vivent ici à Lagos. Même là où tu étais parti à Londres, il y a plein de filles Yoruba qui maîtrisent bien notre culture, mon fils. Hein? Maman, il fallait seulement que tu aies nous trouver une fille qui ne sait même pas comment saluer les aînés. Maman, ce n'est pas de sa faute. Tayo. C'est comme ça qu'elle est. Tayo, laisse-moi te l'appeler ici. Je suis ton père. Je ne te permettrai pas de te disgracier. Ni me disgracier moi. Et tout cela pour une fille qui s'appelle Wanfemi. Tu ferais mieux de penser à arrêter tout ce que tu vas voir avec elle. Ou? Sinon, je vais retirer toutes mes bénédictions. Mais papa, s'il te plaît, on ne peut pas en arriver là. Papa, j'aime Nifemi. Maman, s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît, papa, non? Nifemi, c'est une bonne fille. Et elle va changer. Je ne permettrai jamais qu'une telle fille entre dans cette famille. Non, jamais. Ah, une fille qui ne peut même pas avoir une petite courtoisie, ni même un peu de respect envers les aînés. S'est-elle préparée même? Hein? Oh. Quelle est alors son importance dans le mariage? Tu m'as bien entendu. Je ne vais jamais donner ma bénédiction pour une telle union. Papa. Bonne nuit. Ah, ah, mon mari, allez, calme-toi s'il te plaît. Hein? Du calme. Si notre fils dit que cette fille est une bonne personne et qu'il l'aime, alors, je peux trouver un moyen pour faire quelque chose avec elle. Quelque chose comme quoi? Hein? Quelque chose comme quoi? Voulez-vous dire que c'est maintenant qu'elle va apprendre à cuisiner? Ou c'est maintenant qu'elle va apprendre à s'habiller responsablement? Quelque Allez, chose comme quoi? Mon mari, je t'en prie, je vais trouver un moyen. Laisse-moi gérer. Je vais la transformer en une bonne femme. C'est ça, maman. Très bien. Très bien. Je compterai sur vos paroles. Je compterai sur vos paroles. Mais une chose que tu dois comprendre. Je ne donnerai jamais ma bénédiction pour que mon fils aille épouser un jouet en plastique au lieu d'une vraie femme. Papa, ça n'arrivera pas. Chérie. Papa. Toi aussi. Maman, essaie de les faire comprendre, s'il te plaît. Allez, laisse-moi. Je dois me reposer. Hein? Tu aurais dû aller trouver notre fille. Hey. Oh. C'est un très grand travail.
Ça, c'est ma fille. Tayo. Maman. Tu rentres chez toi? Pas encore, maman. Je suis juste en train d'arranger les habits. Assois-toi, j'ai à te parler. Maman, s'il te plaît. Si c'est à propos des femmes, je ne dirai rien du tout. J'en ai déjà trop entendu, maman. Je ne suis pas venue pour me disputer avec toi. Ou encore, t'empêcher d'épouser cette fille. Je suis venue pour t'aider, donc assois-toi. Si tu veux vraiment m'aider, comment est-ce que tu vas faire? Tu sais que ton père a raison. Cette fille ressemble à des filles qui n'ont pas été préparées pour le mariage. C'est ce que nous avons remarqué. Et c'est pour ça que je suis venue pour t'aider. Je suis ta mère. Et je sais combien tu aimes cette fille. Maman, je suis fou amoureux de Nifemi. Tu n'as même pas idée. Je l'aime beaucoup, maman. Je sais. Je crois que j'ai un plan qui marcherait bien. Pour la transformer au genre de fille que nous voulons qu'elle devienne. Maman, vraiment? Approche, laisse-moi te le dire. Mon fils Tayo, je te verrai à ton retour du travail. Bon route, mon fils. Voyez-moi ces gens. Salut maman. Maman, je vais envoyer me chercher. M'avait appelé, il y a un problème. Y a-t-il un souci? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien que tu sois venue. Je t'ai passé ces codes fil parce que je voulais te voir urgemment. Attends, une minute. Il n'y a aucune urgence. Tayo va bien. Peu importe. Tu sais quoi? Mon mari et moi, nous n'apprécions pas du tout. D'ailleurs, nous ne donnerons pas à Tayo notre bénédiction s'il insiste sur le fait d'épouser. Je ne suis pas une mauvaise personne. Apprenez à me connaître et vous le verrez. Je ne me rappelle pas avoir dit que tu étais une mauvaise personne. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. C'est pour ça que je cherche à t'aider. Mais comme ça, tu ne peux pas te marier à mon fils. Une femme qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas s'exprimer en autre langue ou une autre langue, qui ne sait même pas faire de petites choses, des tâches ménagères que n'importe quelle femme ferait chez elle. Oh non! Mais maman, je parle bien français. Ah oui, je sais. Je sais que tu parles un bon français. Est-ce que le français est la langue de ton père? Ton nom est Femi, et le français n'est pas la langue qui se parle dans les tribus de ton père. Le français n'est pas la langue de ton père. Tournons la page. J'aimerais te transformer en une femme que tes parents n'ont pas réussi à le faire. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Vous voulez dire que je ne suis pas une femme? Oui. Oui. Tu crois que tu es une femme? Tu n'es pas une femme. Tu es juste une fille qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait rien de la tradition, qui ne connaît même pas le dieu de ses ancêtres. Attends un peu. Est-ce que tu pries? Quel est ce dieu que tu pries? Où est-ce que tu pries? Quelle est cette église que tu te rends souvent pour aller louer Dieu? Mes parents n'ont jamais été à l'église et moi non plus, je ne suis pas attachée à une quelconque confession. Tu vois? Imagine. Peux-tu imaginer? C'est de ça que je parlais. Maintenant, comment vas-tu élever ton enfant ou encore tes enfants quand tu vas commencer à accoucher? Parce que d'après ce que tu viens de dire, tu n'es pas une femme cultivée. Tu es vide, tu ne sais rien. C'est pour ça que tu ne peux pas te marier à mon maman, fils. Je suis disponible à apprendre pour devenir la femme que vous voulez que je sois. Tu vois maintenant? Tu vois là où tu veux en venir? Ne me comprends pas des travers. Je ne cherche pas du tout à t'aider pour mon bien. Je t'aide pour ton propre bien.
Donc, je te demanderai d'enlever ces malentendus. Je cherche à t'aider pour que tu deviennes une femme que tout le monde serait ravi d'avoir et pas une femme qui sait tout simplement du pizza et s'est maquillée. Par où dois-je commencer à apprendre? Par où dois-tu commencer? C'est une très belle question. Cela veut dire que tu es prête à apprendre. Oui, maman. Tu vas apprendre en partant à la cuisine. C'est par là que je vais commencer. Tu sais quoi? Pour gagner le cœur d'un homme. Je suis sûr qu'elle va nous appeler. Je sais qu'elle le fera, mais tu sais, elle est cette fille qui avale tout, qui ne parle pas trop. Elle trouve tout normal et elle ne peut pas en parler. Alors, s'il y avait un problème, elle allait nous le faire savoir. Et tu n'as pas à t'inquiéter beaucoup sur votre fille. Je veux dire que j'ai confiance en elle. Elle peut bien prendre soin d'elle. Je le pense aussi. Je l'espère bien. C'était ça ce que tu voulais discuter avec moi? Oui, je suis inquiète. Wadare rao. Mon whisky. Ok, c'est bon. Maman, avant toute chose, tu ne pourras jamais être une bonne épouse avec ces faux ongles qui ressemblent à Jezabel. Non. À quoi est-ce que tu pensais quand tu mettais ces ongles? Ce sont des ongles fashion. Oh, c'est ce je qui vois. Est à la mode. Mm-hmm. Oui. Donc, tu penses que ça fait de toi une femme si spéciale? Tu ne peux pas être la femme de mon fils avec ces genres d'ongles. Regarde-toi. Depuis tout ce temps que tu étais entrée dans la cuisine, tu n'as même pas fini à apprêter les légumes. Écoute,
C'est pas en ayant ce genre d'oncle que tu deviendras une bonne femme pour mon fils. Allez, prends le temps de me regarder tel que tu me vois. N'est-ce pas que je suis à la mode? Regarde mes ongles. N'est-ce pas que c'est à la mode? Je ne veux plus voir ce genre d'ongle la prochaine fois que tu viendras dans cette maison. Ne perds pas le temps en me regardant. Tu as beaucoup de choses à faire, donc grouille-toi. Je commence déjà à avoir faim. D'accord, maman. Merci. La princesse qui a des ongles fâchantes. Mais c'est quoi cette bêtise? Hein? Ça juste pour rien. Hein? Ah, non, ma chère. Arrête donc de t'inquiéter. Hein? Je te l'ai dit. Femi n'est plus un bébé. Elle ne peut donc pas quitter son nid. Tu n'as pas à l'être. Je crois fortement qu'elle a un gros téléphone. Elle nous appellera. Pourquoi être inquiet? Chérie, pourquoi devrais-je pas être inquiète depuis le matin? Elle est en train de subir quelque chose parce qu'elle ne décroche même pas les appels. Je suis inquiète. Hey. Peut-être elle est occupée à faire quelque chose, c'est pourquoi elle n'a pas pu répondre, ou bien son téléphone n'est vraiment pas près d'elle. Mais elle a un téléphone. Mais c'est quel genre de téléphone comme ça? Ah, quel genre de téléphone? De son futur mari? Attends une minute. Tu essaies de dire qu'il pratique le sexe avant le mariage? Est-ce que j'ai dit ça? Mais alors qu'est-ce que tu essaies de... Je n'ai pas dit ça. Mba Omuzobe. Est-ce que j'ai mentionné que je planifie qu'il puisse avoir le sexe avant le mariage? Et malgré tout, ils sont grandis, non? Mais je suis vraiment inquiète. Je suis juste inquiète. Ah. Tu n'as pas à t'inquiéter, ma femme. J'en ai assez de tout ça, hein? Tu débordes, ma femme. Maintenant, on peut plus avoir la paix. Regarde ton mari ici. Qui? Mon mari va tout résoudre. Qui n'est plus la plus importante? S'il te plaît, c'est un peu compliqué. Non. Tu n'as pas à l'être. Je pense qu'elle va bien. Hein? C'est ma prière et je pense que tu as raison. Oui, j'ai raison. Tu n'as juste qu'à rendre ton mari réussi. C'est ça la plus importante. Hein? Qu'est-ce que tu... Viens par ici. Viens par ici. Laisse-moi. Attends. Elle est partie, mais on doit rattraper les temps perdus. Alors quoi? Hein? Tu pars où? Tu veux partir où? Okay. Dis-moi. Hein? Madame, as-tu fini de cuisiner? Oui, mais je sens que c'est trop salé. Thank you.
fils Tayo, je suis ravie de te voir. Bienvenue à la maison. Merci, maman. Comment était la journée? Maman, ça s'est bien passé. Parfait. Maman? Hein? Tu dis? Maman, mais pourquoi tu as pris mon téléphone ce matin? Tu as même décroché à mes appels. Hein? Est-ce un crime de décrocher tes appels? Ce n'est pas ce que je dis, maman. Je veux juste savoir pourquoi tu as pris mon téléphone. Parce que je suis sûr que je l'avais laissé dans le sac ce matin. Et tu as pris le téléphone dans le sac, maman. Tu te rappelles bien? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu veux connaître la raison? La raison est à l'intérieur de la cuisine, en train de préparer. Maman, dans la cuisine? Maman, qu'est-ce que tu as fait? C'est que toute bonne belle-mère ferait. S'il te plaît, ne va pas dans la cuisine la déranger. Va dans ta chambre te rafraîchir, ensuite tu descendras pour venir manger. Elle est en train de cuisiner. Le dîner? Mais Femi ne s'est pas préparée. Elle va faire du n'importe quoi. Elle ne connaît pas préparer, maman. Alors, comment va-t-elle apprendre? Elle doit apprendre par ses erreurs. Si elle ne commet pas d'erreur, alors dis-moi, comment va-t-elle réparer cela? Va dans ta chambre, prends un bain, change de tenue et ensuite descends. Maman, cette histoire me dépasse vraiment. Hé, jeune homme! Je t'avais dit de ne pas te rendre dans la cuisine tant que va dans ta chambre. Va plutôt prendre un bain, oui? Mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Bon appétit. Ah, on sert d'abord les hommes. Allez, prends. Oui. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ifemi. Oui, monsieur. Je ne veux pas croire que tu as soudainement appris à préparer. Je me suis débrouillée pas mal. Je vois. Prions. Béni serait pas au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Une boîte de sel que tu as mis dans cette nourriture. Désolée, monsieur, désolée. Je suis navrée, désolée. Oh. Ah, Marie, allez, c'est bon. Je suis désolée pour ça, papa. C'est bon, chérie. J'avais cuisiné ton plat préféré au cas où tu n'apprécierais pas ce qu'elle a fait. Donc, oublie ça. Ça va. Ah. Allez, t'inquiète pas à propos de ça. Taya, arrives-tu à aller manger? Mais bien sûr que tu le peux. D'accord. Je ne suis pas en colère, mais ce n'est pas grave, bébé. Yaomi. Bien. C'est bien que tu puisses commettre cette erreur. Laisse-moi te dire que si tu ne commets pas d'erreur, ce sera difficile pour toi pour que tu t'améliores. Tu comprends?
Ok, c'est bon, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Donc, nous allons tous manger ce que j'avais préparé. Non, merci, maman. Je ne crois pas que j'ai besoin de manger maintenant. Je vais rentrer à la maison. Ah! Ai-je dit quelque chose qui t'a vexé? Non, non, pas du tout, maman. J'ai juste besoin de rentrer. D'accord, maman. Passez une bonne soirée. Je vais t'accompagner, bébé. Non, non, non. Ne te dérange pas. Je suis bébé. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Maman. Ah. Ce n'est pas du tout normal, tout ça. Oui, je t'ai dit, ce n'est pas bon du tout. C'est bon, Marie. Ça va aller. Elle apprend. Tu penses qu'elle va mieux apprendre un jour? Attendons voir dans ce cas. Ça va aller. Bébé, attends. Bébé, attends. Attends. Quoi? Attends. Quoi? Je n'ai pas su que ta mère m'appelait pour me ridiculiser autant. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. Oh, apparemment, vous appréciez ces manières. La manière dont elle se moque du repas que je fais pour eux et tout ce par quoi elle m'a fait passer sous prétexte que je dois apprendre à faire de la bonne cuisine. Elle me demande d'enlever mes ongles. Je ne prends pas les choses de cette façon-là. Je suis sûr que maman n'a rien dit quelque chose de mauvais. Elle veut juste être gentille. Oh. Hein? Je ne suis pas bonne alors. Ce n'est pas pourquoi tu ne m'as pas dit que devenir meilleure selon vous était une condition pour que tu m'épouses? Ne les prends pas comme ça. Ce n'est tu pas sais ce quoi? Que je voulais dire. C'est bon. C'est fini entre nous, Tayo. Je ne suis plus intéressée par ce soi-disant mariage. Si c'est comme ça que vous allez commencer à me rabaisser et me couvrir de honte, je ne suis plus intéressée. Juste oui, comme juste ça? Comme ça. Juste comme ça. Mais il faut me... Attends! Est-ce que tu es sérieuse? Silencieuse tout ce temps. Tu ne décroches pas à tes appels. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de reposer mes nerfs. Est-ce que ça va? Maman, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bonne nuit. Mais... Maman. Es-tu toujours en train de penser à cette fille? Maman, je ne peux pas perdre une fille, mais... Je crois qu'elle était juste en colère la nuit dernière. Et elle n'a pas contrôlé ses paroles. Et j'ai aussi peur que une fille m'abandonne pour toujours. D'ailleurs, tu es assez grand pour savoir que ce qui est à toi sera toujours à toi. Et ce qui n'est pas à toi ne sera jamais à toi. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi. Maman, arrête de dire ça. Nifemi, elle est à moi. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est fâchée, parce que je voulais qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Elle voit seulement les choses différemment. C'est tout. Cela doit te prouver qu'elle agit comme un enfant. Maman. Tu comprends? J'étais venue t'informer que le déjeuner est servi. Descends avant qu'elle ne refroidisse. Fais vite, d'accord. Descends. Chérie, tu as préparé? Moi? Oui. Je le passais. Mais je sens l'odeur de la nourriture. C'est oui, vrai. C'est moi qui suis la spéciale cuisinière du jour. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour chérie. Et qu'est-ce que tu as préparé? J'ai fait quelque chose de très délicieux. Venez manger. Ça, c'est mon bébé. Prenez votre place, s'il vous plaît. Merci. Maman. Merci. Ta place est ici. Merci, chérie. J'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? C'est un repas indigène.
Oui, c'est bien un repas indigène. C'est quelque chose qu'on appelle... c'est un repas yoruba. Oh, Femi, je te l'ai dit à plusieurs reprises que ton père ne mange pas tous ses repas locaux. Oh, vraiment? Oui. J'ai oublié, désolé. Papa, tu ne le goûtes même pas. Et pourquoi tu n'aimes pas ça? Je l'aime pas, c'est tout. Tu n'aimes pas ça juste comme ça? Oui. Donc, puisque tu n'aimes pas ça, personne non plus ne le mange à la maison. Belly. Oh, ben tu balili, badje. Y'a Willy qui essaye. Maman, qu'est-ce que cela veut dire? Il essaye de dire. C'est que papa ne veut pas manger. Cela veut dire que je ne peux pas les préparer. Oh. Ok, c'est bon. Comme tu n'aimes pas ça, on ne peut pas non plus le manger. Je veux que tu le goûtes, juste un peu. Oh, vous pouvez, Nefisk, goûter la soupe. Ok. Merci de le goûter. Je l'aime pas. Ta-da! C'est trop salé et pimenté. Chérie, qu'est-ce que c'est? Maman, est-ce que tu t'entends parler? Tu ne m'as rien appris. Tu ne m'as jamais laissé toucher à une assiette. À combien plus fort apprêter le thé, un simple thé? Mais je ne voulais pas t'énerver. Je vois. Maman, c'est comme ça que tu dirais que tu m'aimes. Je n'ai rien appris de toi. Je n'ai rien appris de toi. Oui, je sais comment fixer mes cheveux. Je sais comment aller me faire arranger les ongles. Je ne sais même pas faire une simple pepper soup. Tu ferais mieux de te calmer. Non, tu n'as pas à te fâcher, tu sais. On pourrait arranger, on pourrait t'apprendre dans tes semaines. Non, pas question. Je ne peux plus me rattraper. Je ne peux plus me rattraper. J'ai perdu ma vie. Je n'ai aucune notion de ma culture. Je ne sais même pas faire un repas de ma tribu. Je ne connais rien. Je ne sais pas tenir la cuisine. Non, papa, ne m'essaie pas de me calmer. Non, je ne vais pas me calmer. Tout ce que tu m'as appris, c'est d'être une femme fashion. Vous ne m'amenez qu'au restaurant. Voilà où nous en sommes maintenant. Tu nous blâmes parce qu'on t'a aimé, ma fille. Mais, princesse, tu dois te calmer, ok? Maman, ne me dis pas de me calmer, non! J'ai perdu tous mes repères. J'ai perdu ma relation. J'étais tellement couverte de honte. La honte d'être acculturée. La honte de ne rien connaître. Vous ne savez comment vous m'aviez fait ressentir. Vous ne saurez comprendre comment mon estime est affectée. Je ne veux rien deviner. Mais chérie... Attends. Olua Alifemi. Olua Alifemi. Mais... ma femme, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant, dis-moi? Là, tu essaies de me blâmer. Hein? Ike. Mais tout ça est de ta faute, non? Mais c'est donc ça. Apprends-la. Apprends-la à préparer. C'est comme ça qu'il va la vie, après tout. Tu avais appris, tu vas l'apprendre. Et elle aussi, elle apprendra. Ah, sacré. Voilà, ouais. C'est compliqué. Mais comment elle peut réagir de la sorte? Où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi, maman. Ah, je croyais t'avoir entendu dire que tu vas passer une semaine avec nous. Pas avec ces maux de tête que papa et toi vous me causez. Juste après avoir présenté ma fiancée auprès de vous, je viens déjà de la perdre. Vous avez créé tellement de douleurs. Mais ce n'est pas de notre faute.
Et puis, suffit pour que je comprenne que mes parents ne veulent pas me soutenir. Au revoir, maman. Hé, Tayo. Tu t'en vas? Bien sûr, maman. Mais voyez-moi ces garçons, nous t'avons sauvé la vie et tu t'énerves contre nous. Si elle est à toi, elle te reviendra. Ce n'est pas le moment de croiser nos bras maintenant. Nous devons l'affronter ensemble et de sortir dans tout ça. Tu ne comprends pas, Brenda. Comment est-ce que la cuisine peut représenter un mariage? Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à les comprendre. C'est comme si on existait juste pour la nourriture. Oh, c'est tellement embarrassant. Je te jure que tu n'en as aucune idée. Je veux dire, on ne peut pas te couper la tête à cause d'une mal à la tête. Je veux dire, la balle est de ton côté maintenant. Si tu veux vraiment vivre un vrai amour et décider de gagner, tu dois le prouver et prendre ta propre décision. Et pour tes parents, tu as toujours été un bébé pour eux. Tu ne deviendras pas une grande dame, crois-moi. Ah, tu as raison. Je ne sais pas si c'est trop demandé. Ma mère ne m'a jamais permise de faire quoi que ce soit. Mon père non plus ne m'a laissé le servir à la table. Même une fois, tout le temps j'étais avec lui. Et pour ses parents, c'est tout à fait le contraire. Je ne suis pas une bonne femme puisque je ne sais pas tenir la cuisine. C'est juste fou. Je te comprends, Fanny. Juste, arrête de te stresser toi-même. Va juste de l'avant. C'est un beau chemin. Je dois partir maintenant. Non. Je m'en fais pas. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Arrête juste de pleurer. Fanny, s'il te plaît. Mais c'est quoi tout ça? Je te l'ai déjà dit. Je suis désolée. Fanny, s'il te plaît. Je suis désolée. Et essayons juste de le régler en famille. Qui serons-nous exactement en train de résoudre? Hein? C'est quoi là? La honte ou le fait que je sois ruinée? Tu le sais, chérie. Tu n'es pas ruinée. Tu es toujours une fille intelligente. Et aussi un médecin, si on peut en ajouter. Un médecin n'ayant rien comme prérequis traditionnel. Non plus, avec un prérequis religieux. Maman, je suis stupide. Je ne sais rien faire. Je ne sais même pas faire un repas nigérien. Écoute, chérie, s'il te plaît, laisse-moi te dire. Maintenant, je suis prête à t'enseigner tout ce que tu veux savoir.
Désolée, c'est trop tard. Non, non, Femi, s'il te plaît, Femi, je t'en supplie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Écoute, je vais t'enseigner comment préparer le plat nigérien, comment danser la danse africaine, toutes les valeurs africaines, tout ce que tu veux. Je vais tout enseigner, même notre culture, s'il te plaît, pardonne-moi. Femi, s'il te plaît. Désolée, maman, mais, c'est trop tard. Non, mais tu... Femi, souviens-toi. Ton père a souffert quand il était enfant. Tu veux vraiment aller là d'ailleurs? Bon après-midi. S'il vous plaît, j'aimerais voir Ifemi. Ifemi? Oui. Tu veux dire Ifemi? Ifemi, exactement. Très bien. Dis, qui est là? Je sais son numéro, mais ça ne passait pas. Il faut d'abord l'appeler, monsieur. C'est le seul moyen de la voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Tyler. C'est qui? Tyler. Tayo, monsieur. Oh, s'il vous plaît. C'est lui. Tyler. Fais-lui entrer. Oui, merci. J'essaie de te dire de me faire entrer. Oui, monsieur, il va entrer. Papa, bon après-midi. Bon après-midi, papa. Jeune homme. Pourquoi tu es ici? Papa, premièrement, j'aimerais présenter mes excuses pour... Être entré dans cette parcelle sans toutefois être invité. Je suis l'ami des Femi. Je m'appelle Tyler. Je sais qui tu es. Ma fille m'a déjà tout parlé sur toi. Et spécialement la partie que tu l'as blessée. Faire du mal? Papa, je ne ferai jamais du mal à Femi. Femi, c'est ma vie. Je ne ferai jamais une chose pareille, papa. Jamais. Regarde. Petit, comme tu peux le constater, je sors pour une réunion très importante. Je n'ai aucun temps à perdre avec toi. D'accord? Si tu tiens ta vie, je veux voir ton dos. Dégage de cette parcelle, maintenant. Parce que ma seule fille ne peut jamais épouser un homme qui continue de la ridiculiser. Papa, je ne ferai jamais du mal à Femi. Elle est ma vie. Fous le camp d'ici. Je ne veux jamais du mal à Femi. Femi, c'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, sortir cette papa. Chose d'ici. Papa, s'il vous plaît. S'il vous monsieur, plaît, papa. Femi, je dis jette cette chose dehors. Il faut partir. Importe quoi. Partir, monsieur. Je ne lui ferai jamais du mal. Fous le camp d'ici. Monsieur. Et n'ose plus jamais remettre tes pieds dans cette partir, parcelle. Maintenant. Il faut partir. Partez, monsieur. Importe quoi, elle dit qu'elle ne peut merci. Pas blesser ma fille. Merci. Sais-tu combien elle représente pour moi? Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mais monsieur, il faut partir. Pour... Il faut partir, monsieur. Partez maintenant. Ah, laisse-moi. Hein? C'est ce que vous voulez? Qu'est-ce que venez, tu veux faire? Venez. Hein? Je t'aurai. Ah, partez. Oui, venez. Venez encore. Venez encore. Je vous froisserai le visage. On ne blague pas avec moi comme ça. Au revoir, monsieur. Ah, il ne me connaît pas. Il fallait qu'il vienne là. Il fallait qu'il vienne. Il a été épargné. Idiot. Il pense que je suis un portier ordinaire. J'ai des pouvoirs, moi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Femi, tu veux vraiment te laisser faire? Tu étais juste un enfant. Maman, la honte est énorme. Je n'ai pas pu les supporter. Écoute, chérie, c'était de ma faute. Et je l'admets. Je ferai en sorte que tout ce que je t'ai dit, que je fasse ce qui est mieux. Tout ce que je te promets, je le ferai. Mais je te conseille de retourner chez ton mari. Parce que tout ce que tu m'as relaté à propos de lui... C'était donc bien et il t'aime beaucoup. Il ne t'a jamais blessé. Il t'aime beaucoup. Il veut juste le meilleur pour toi. Tu as raison, maman. Retourne chez lui. Oui, maman, tu as raison. Il m'aime. Mais j'ai peur. Tu as peur?
J'ai peur qu'il me rejette. Oh. Je vais aller le chercher. Très bien. Ça, c'est ma fille. Et tu sais quoi? Et pour notre plan, j'ai une idée. Laquelle, maman? Pourquoi c'est si difficile pour moi d'être heureux? Comment est-ce que j'ai perdu la femme que j'aime le plus au monde? Oh mon Dieu, je ne mérite pas cela. J'aime Femi, même si elle n'est pas parfaite. Je veux dire, mais pourquoi je fais cela? Peut-être que je ne devrais pas la présenter à ma famille. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à enlever cette douleur, s'il te plaît. Ah, oh, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Une salutation, maman. Une salutation, papa. Femi, mais qu'est-ce que tu es venue faire ici? C'est bon, lève-toi. Mets-toi debout. Merci, maman. Je suis venue présenter mes excuses pour la manière dont j'étais partie la fois dernière. Je comprends que c'était juste pour que vous me rendiez une meilleure femme. Je le comprends maintenant. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû laisser mon orgueil prendre les dessus sur moi. Je suis désolée, maman. Oh. J'ai aussi réalisé que c'est ici ma famille et que je serais heureuse d'en faire partir. Oh ma fille, tu n'as pas à t'excuser, ça va. Je t'en prie, mais qui t'a appris à parler Yoruba comme ça? C'est l'une de mes amies. Oh parfait, bien, que Dieu la bénisse. Amen, amen. Maman. Comment va Taya? Il est déjà revenu du boulot. Est-ce que je peux le voir? Oh, ma fille. Il était rentré chez lui depuis la semaine passée. Ok, je ferai de mon mieux pour aller le voir. D'accord, en tout cas, fais-le, oui. Ok, d'accord, maman. Merci. Merci, papa. Ok, au revoir. Oui, je t'en prie. Et n'oublie pas, tu peux venir ici à tout moment que tu le voudras. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, d'accord, maman. Au moins... Maintenant, tu arrives quand même à parler Yoruba, mais nous pouvons quand même approfondir cela. Accenti, maman. Que Dieu te bénisse. Accenti. Bonne année. Oui, au revoir. D'accord, mais voyez-moi, maman. Mais voyez-moi cette jolie fille. Au revoir. Moi, c'est Kitoko. Au revoir, oh, papa. Merci beaucoup. Oui. Bonne année. Hein? Accenti, Mungu. Au revoir. Tu vois maintenant ce que je te disais. La belle-mère. La belle-mère. Mais comment est-ce que tu commences à sourire? N'est-ce pas que c'est toi qui ne voulais pas d'elle, tu ne voulais pas de ses mariages? Non, tu vois, écoute, nous devons juste continuer à l'observer, hein? Tu vois maintenant, je t'avais dit de lui accorder un peu de temps et qu'elle va changer. Je n'avais pas tort. Ah, il n'y a pas de souci, continuons juste de l'observer. C'est une bonne fille, elle est prête à apprendre. Quel jour! Quel jour! Ah, je suis fatigué. Ah. Salut, Tayo. Qui est là? Je peux voir que depuis notre rupture, tu n'as pas changé grand-chose. Effie, comment est-ce que tu es entrée dans ma maison? Allez, Tayo, tu sais très bien que je peux entrer n'importe où. Et surtout, quand tu avais dit clairement que je n'avais pas le droit d'entrer ici. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Je suis venue voir mon petit ami et savoir comment il va. On a rompu il y a des années, Effie. Tu n'arrives toujours pas à l'admettre.
C'est ça la partie la plus difficile. Je t'aime toujours, Tayo. Et nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous nous aimons beaucoup. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu refuses cela. Pourquoi? Effie, plus rien ne va encore arriver entre toi et moi. C'est fini. Je vois très bien ce que cette fille t'a fait. Ne dis jamais. Ne dis jamais ces genres de choses à propos de ma fiancée, tu comprends? Je le fais et je le ferai encore et encore. Je ne te laisserai pas épouser cette chose que tu appelles tes amis. Parce que je t'aime. C'est avec moi que tu vas te marier. Jamais! Ne dis plus jamais ces genres de choses. Pas pendant que j'aurai cette arme pour te contrôler. Et calme-toi, d'accord? Nous pouvons résoudre ces problèmes sans utiliser une arme. Non, tu ne m'aimes pas assez pour pouvoir faire cela. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi veux-tu épouser une autre femme? Nous nous aimons beaucoup et nous sommes faits pour être ensemble. Alors pourquoi ne vois-tu pas cela? Pourquoi? Je te comprends, mais nous pouvons nous asseoir comme des grandes personnes et résoudre ces problèmes calmement, s'il te plaît. C'est ça. Non. À présent, c'est cette arme qui va arranger tout ça. C'est ou soit tu acceptes de te marier avec moi, ou alors tu meurs. Quoi? Et non! Mets-toi, Tayo. Ok. Il faut s'il te plaît, délie-moi. Je suis fatiguée de tout ça. Non, bébé. Tu sais que j'adore quand je le contrôle. Il faut s'il te plaît. Allez, Tayo. Je t'aime, Tayo. Je veux que tu sois à moi et à moi seule. Tu n'aurais pas dû rompre avec moi. Je suis 100 fois meilleure que toutes ces filles riches avec qui tu sors. Oui. Il faut s'il te plaît. Je t'en supplie, délie-moi. Arrête ça. As-tu entendu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la porte? Dis-moi, tu attends de la vie. S'il te plaît, délie-moi. Délie-moi, on va parler ensemble. S'il te plaît, enlève tout ça. Premièrement, je dois d'abord aller vérifier qui est derrière la porte. Il se pourrait que ce soit notre nouvelle copine. S'il te plaît. Salut. C'est ici la maison de Tayo. Et qui êtes-vous? Je suis sa fiancée. Oh! Je crois avoir fait une erreur. Oh. Désolée. Quand on parle de chien, on voit ce qu'est. Donc c'est vous. Pardon? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que Tayo serait ravie de vous voir. Allez, entrez. Merci. Oui. Merci. Tayo, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça, Tayo? Nifemi! Hey, Nifemi! Nifemi! Oh! Il fait pourquoi tu fais ça? Nifemi! Oh mon Dieu! Oh non. Femme, hein? Pourquoi tu continues à te faire souffrir comme ça? Hein? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Je suis sûr qu'elle va bien. Pourquoi devrais-je pas m'inquiéter? Elle allait m'appeler. Si au moins elle savait qu'elle allait passer là-bas, elle allait m'envoyer un message ou quelque chose, mais elle m'a rien dit. Tu ne peux pas savoir si elle n'a pris des charges. Et c'est pour ça qu'elle ne nous a pas appelés, peut-être. Tu ne penses pas que c'est assez bien? Mais... Oh, je ne sais pas. Tu prends toujours les choses à...
Oh mon Dieu, je ne veux pas trop parler. Juste calme-toi, ne te tourmente pas. Je suis sûr qu'elle va bien. Non, cela n'est pas assez. Elle devrait m'appeler. Ah. J'essaie juste de te dire de ne pas te tourmenter. C'est une femme prête à épouser. Mais elle n'est pas encore mariée, non? Ah, et ben Melo, tu l'as oublié, c'est d'accord. Juste, regarde, ne te tourmente pas. Chériot, juste, amène tout ton corps ici. Viens m'accompagner ici. Fais vite. Mais pourquoi tu me trop plaisanter? Plaisanter? Viens par ici. Ah, laisse-moi d'abord réfléchir. Ah. Toi, je te dis, viens ici. Arrête, non. Laisse-moi. Viens par ici. Il y a rien. Arrête, Yves. Arrête. Arrête tout ça, s'il te plaît. Mon Dieu. S'il te plaît, pardon. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, s'il te plaît? Rien du tout. Je te veux morte, c'est ça? Quoi? Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, ne le fais pas. Je te prie au nom de Dieu. Ok, Ife. Peux-tu juste laisser Nifemi partir, s'il te plaît? Je te prie, pardon. Prends-moi et laisse-la partir, s'il te plaît. Non, bébé. Je ne peux pas. Elle est la raison pour laquelle tu m'avais abandonné. Donc, je dois la tuer et comme ça, tu me reviendras. Attends un instant. Tayo, tu l'as quitté à cause de moi. Allez, arrête de faire semblant. Il l'a fait parce qu'il a été forcé par toi. Tu sais quoi? Il m'aimait beaucoup. C'est juste qu'il n'arrivait pas à l'exprimer. De ses faits, je vais l'aider pour qu'il le fasse. Je vais te tuer. Non. Avant cela, Tayo et moi, nous allons nous marier. Et toi, jolie fille, tu seras notre témoin. S'il te plaît, ne me tue pas. Ne me tue pas, s'il te plaît. Ça ne va pas arriver. Yves, ça ne va pas arriver. Ok. Je sais comment te faire taire. Non, Yves, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Yves. Oh. Yves, non. Yves. Tu dois la fermer. Non, pas ça, c'est... Tais-toi! Ok, revenons à notre mouton. Non. Oui. Non. Toi, jeune fille, tu mérites de mourir parce que tu m'as causé beaucoup de tort. Si tu ne le sais pas. S'il te plaît, non. Je suis désolée pour t'avoir causé ces torts. Et si tu l'aimes, il n'y a pas de souci. Juste laisse-moi partir. Je vous laisserai continuer votre relation. Oh non, je te prie pardon. Si tu penses que c'est à cause de moi qui t'a laissé, crois-moi si je t'ai dit que ce n'est pas ça. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps et il m'a dit qu'il n'avait personne. Je vais partir loin d'ici et vous laisser continuer juste votre relation. Je te le jure. Laisse-moi partir. Désolée les gars. Non, je te les laisse. Okay. Laisse-moi partir. Non. Tayo. Oh. Tu crois que tu veux m'abandonner juste comme ça? Pour ça? Tayo, prends le temps de me regarder. Allez. Yves. Je te prie de me laisser partir. Laisse-moi partir, je te prie. Laisse-moi partir. Tayo. Toi et moi, nous allons rester ensemble et nous mourrons ensemble. Et cette fille... Elle doit d'abord mourir. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, arrête, ne fais pas ça. Je te prie de me laisser partir, s'il te plaît. Pardon, s'il laisse-moi te plaît, partir. Ne tue pas. J'ai envie de mourir. Laisse-moi partir. Regarde comment elle a si peur. C'est moi. Pardon. Quand tu m'avais volé mon homme, est-ce que tu m'avais supplié?
Hein? Alors, réponds. Laisse-moi partir. Tu n'iras nulle part, jeune fille. Allez, calme-toi. Laisse-moi partir, jeune fille. Tayo et moi, nous allons nous marier. Non. Aujourd'hui, vers cette nuit. Et tu seras notre témoin. Oh. C'est vrai. Je dois contacter mes beaux-parents. L'air bénédiction est très important pour nous, n'est-ce pas, Tayo? Non, s'il te plaît. Oui. Non. Allez, ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. Bon sang, Tayo. Allez, donne-moi ton téléphone et arrête ces bêtises. Je l'ai. Oh, ok. Tayo. Oh. Peux-tu déverrouiller les téléphones? Allez, ton mot de passe. Oh, je suis sûre que tu connais. Allez, passe-moi le mot de passe. 3 2 1 7. Oh, c'est vrai. Papa, maman, je dois. Ouais, j'appelle. Ah, c'est Tayo. Mon fils, je prie qu'il va bien. Oui, allô Tayo. Allô? Bonsoir. C'est qui au téléphone? Tayo? Inconscient? Où? Nibo? Oui, nous arrivons maintenant. Nous arrivons. Oui, j'arrive. Oui, c'est moi son père. C'est moi. Je suis son père, oui. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Mais pourquoi tu restes calme et dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Taylor. J'espère que ce que j'entends là n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il y a? J'espère vas-y, que dis-moi. Ce message n'est pas à moi. Mais qui est d'abord inconscient? La personne qui m'a appelé a dit que Taylor est couché et il est inconscient dans sa maison. Mon seul Taylor. Taylor. Ah, ok, mais pourquoi pas l'amener à l'hôpital? Tu me demandes? Allons-y maintenant. Allons-y maintenant. Allons-y. Allons-y, dépêchons-nous. On y va. Juste comme ça. Tes parents sont déjà en route. C'est quoi ces vieux faux? Oh, Seigneur. Ton père n'a même pas osé me poser quelques questions. Il a juste tout gobé et il est déjà en route. Ah. Oh. Oh. Je peux voir combien il t'aime. Oh. 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 Mon chéri Tayo, tu ne dois pas te déranger pour parler. Je rends les choses faciles pour toi et moi. Hein? Tous les deux, nous allons nous marier en présence de tes parents. Et cette fille malheureuse ici présente va mourir. C'est tout. C'est ça. Nous deviendrons mari et femme. Oh, donnez-moi un instant, je reviens. Tayo, comment tu as pu? Comment tu as fait pour être en relation avec une telle fille? Regarde où tu en es. Sauras-tu faire face à cela? Je ne sais pas ce que tu cherchais chez cette femme. Cette femme est juste folle. Qui dérange notre chère princesse? S'il te plaît, ne décroche pas. Oh! Non, je te prie, pardon. Et c'est pour elle que tu les trompes. Non, ne décroche pas l'appel, ne décroche pas, pardon. S'il te plaît, ne prends pas l'appel. Non. Arrête, s'il te plaît. Je peux voir que tu as peur de décrocher cet appel. Et pour cette raison, je parlerai à ta place. S'il te plaît, peux-tu déposer mon téléphone? Ne prends pas mes appels. Ne décroche pas. Ne le fais pas, s'il te plaît. Arrête. Allô? Oh non, c'est pas Femi. C'est Ifoma, sa sauveteuse. Femi a connu un accident et je lui administre le premier soin.
C'est bon, madame. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, elle ira bien. Tout ira bien. Oh, l'ambulance? Oui, je l'ai appelée. Elle est déjà en route, madame. Ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai l'adresse par message, madame. Non, arrêtez de vous inquiéter, ça va aller. D'accord. À bientôt. C'est à mes parents que tu as parlé. Écoute, tu peux faire de moi tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, laisse mes parents en dehors de ça. Non. Tes parents doivent être impliqués. Non. Ils sont impliqués. Leur crime numéro un, c'est de t'avoir donné naissance. Oh. C'est quoi ces parents très attentionnés comme ça? Chérie, alors tu es assise ici. Qu'est-ce qu'il y a? Fais bien qu'on y ait un accident. Fais bien qu'on ait un accident. Hein? J'ai besoin de la clé de la voiture. Un accident? Oui, j'ai besoin de la clé de la voiture. La clé de contact. Oui, la clé, la clé de contact est oh ici. Oh mon Dieu. Hein? Allons-y, allons-y. Oui, oui, non, oui. Je ne oui. sais pas. Oui, lève oui. cette allons-y, femme. Allons-y maintenant. Non, allons-y. Hein? Je la allons-y presse. Rapidement. Taïo. Mais regardez-moi ces photos. Très amoureux de cette chose que tu appelles fiancée. Elle est manche, tu le sais. Elle est vraiment horrible. Fautise. Quand tu sortais avec une jolie fille, tu étais très occupée en faisant de bêtises. Mais sans que tu sors avec cette ordure, t'y voilà très... Ah, ça doit être mes beaux-parents. Oh, mon mariage peut déjà commencer. Oh mon Dieu. Chut, je reviens. Chut. Oui, bonjour. Désolé, nous sommes les parents des Taïo. Maman, je vous en prie, entrez. Oui, mon fils. Oui, mon fils. Non. Oui, mon fils. Je croyais que vous étiez à l'hôpital. Non, oui. Taïo. Jésus. Taïo. Mon fils. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, tout le monde. Allez, calmez-vous. Détendez-vous. L'arme. Mes beaux-parents, je vous en prie. Calmez-vous. Maman, nous sommes dans les trous. Désolé pour cet incident. Mon nom est Ifoma et je suis la femme des Taïo. Oui. Donc, je vous demanderai gentiment de vous calmer et de vous asseoir, s'il vous plaît. Jeune femme, s'il te plaît, dépose cette arme. Je promets que je ne te signalerai pas à la police, s'il te plaît. D'accord, bien sûr que je vais déposer cette arme, mais pas avant que Tao et moi nous puissions nous marier. Non. Okay. Donc après ça, je déposerai mon arme et vous allez vous asseoir, tout ira bien. Ne les font pas du mal, s'il te plaît, je te prie, pardon, s'il te plaît. Donc, asseyez-vous et sentez-vous à l'aise. Mon mari vient. Asseyez-vous. J'ai pas envie de m'énerver, s'il vous plaît. Ne les font pas du mal, pardon, je te prie. Oh. Pardon. Bonté divine, qui est derrière la porte? Je voulais que ce mariage puisse se passer dans les calmes. Oh. Femi, ça doit sûrement être ta mère. Ah non, non, c'est... Non. Chut. Tais-toi. Non. Je m'en vais m'occuper d'elle. Oh, mon fils. Oh, mon Dieu. Regarde-toi, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as fait cette femme? Mais qui est-elle, finalement? Qu'est-ce que tu as fait cette femme? Maman. Hey, salut. Maman. Hey, maman. Attention, attention. Regarde-toi. Elle a une arme, attention. Qu'est-ce attention, que t'as fait? C'est bon, tu calmes. Tu habilles ta fille, n'est-ce pas? Attends, assois-toi calmement. Vous allez assister aujourd'hui à mon mariage, donc sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez moi, ok? Taïlo, pourquoi tu veux commettre ce genre d'erreur? Pourquoi tu veux me faire ça? Pourquoi tu veux faire ça à ta mère, Taïlo? Mais pourtant, il devrait épouser ma fille. Et regardez là où on en est, juste à cause de lui. C'est pas vrai. Hé, contrôle bien ta langue. Toi, tu n'as pas bien éduqué ta fille. Elle ne mérite même pas d'aimer sa femme de vous qui va fier dans cet état. Et là, tu sais elle que tu appelles fille. Non, c'est elle bien. Que tu appelles fille. Tu n'as même pas. Hé hey! Arrêtez-moi ces vacarmes, le vieil. C'est quoi ça? Tata. Maman, bon, de la vie, vous le vaquillez, m'tobala, moi, un habit, non.
Femi, donc tu peux parler cette langue? Où est-ce que tu l'as appris? Oui, il y a diverses manières de l'apprendre. Je l'ai appris grâce à mon amie, maman. Comment elle a appris? Comment elle a appris pendant que tu étais incapable d'apprendre à ta fille? C'est à moi que tu dis ça. Je m'occuperai de toi. C'est mon mariage. C'est le jour de mon mariage. Je veux que ça se passe dans le calme. Donc arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Calmez-vous, silence, s'il vous plaît. Écoutez, si quelqu'un parmi vous essaie de me la jouer au dur, je vais le tuer. Et pour ça, je commencerai par toi. Ok. Pigé. S'il te plaît, suivez-vous. Mais pourquoi vous pleurez? C'est un mariage, vous devez être heureux, joyeux pour moi. Allez, c'est un mariage. Oui. Hein? Oui. Les amants. Oh mon Dieu, pourquoi je n'avais pas pensé à ça? Je devais penser à acheter les anneaux, mais c'est pas grave. Je vais en trouver, je crois que je dois en trouver là-bas en haut, dans ma chambre. Oh mon Dieu. Oh, c'est mon jour, je vais me marier aujourd'hui. Oui, Tayo et moi, nous allons nous marier aujourd'hui. Oh, je serai mariée, je vais me marier. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oh. Liez-la bien. Papa, je sais que tu penses que Tayo est une mauvaise personne, mais crois-moi, il ne l'est pas. Je veux dire, cette fille est son ex. Sinon, on ne serait pas arrivé jusqu'à ce point. Honnêtement, ma fille, je préserve mon honneur. Il ne me plaît pas. Ce gars est la cause de ton enlèvement, là j'en suis sûre. Non, papa, il ne l'est pas. Tu vois? Maman, essaye de parler à papa, s'il te plaît. C'était juste un incident et du coup, plus rien est resté à notre contrôle. Écoute, princesse, dès le départ, Taylor était une mauvaise personne en se mettant lui-même dans une relation amoureuse avec une mauvaise fille. Mais oui! Taylor lui-même, il est fou que tu ne peux pas imaginer. Maman, s'il te plaît. Tu finiras par comprendre de quoi nous parlons. Qui est là? Fais très attention. D'accord. Vous attendiez recevoir quelqu'un? Qui est là? Qui est là, princesse? C'est Tayo. Mon Tayo. Honte-toi. Oui? Qu'est-ce qu'il vient faire sur moi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bon après-midi, papa. Ah, dégage de là. N'ose même pas me saluer. Ah, donc, tu as eu l'audace de venir ici. Après la honte que tu as pu faire subir à ma fille. Pas du tout, papa. Papa, je jure sur ma fille. Rien de tout ce qui est arrivé est de ma faute. Cette fille était mon ex-petite amie. J'avais rompu avec elle à cause de son caractère. Je ne voulais pas entrer dans cette famille. Mais ce qui était arrivé, ça me crée toujours la honte. Et c'est pour cela que je suis ici pour arranger avec vous. J'aime beaucoup Nefemi. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle veut vraiment changer. Ça. Je vois donc c'est pourquoi toi et ta famille, vous l'avez fait humilier de cette manière. Non, papa et maman ne sont pas comme ça. Mes parents l'ont poussée parce qu'ils voulaient qu'elle soit meilleure. Donc vous pensez la même chose. Donc on a mal éduqué notre fille. Papa, c'est loin pour moi. Papa, c'est loin pour moi. Je vous en supplie. J'aime votre fille. Vraiment. Je vois le pourquoi. Donc tu es venu ici pour que ton ex vienne couper le cou de ma fille. Papa, ça ne va pas arriver.
La fille en question, elle est en prison. Et elle ne va jamais se rapprocher des membres de cette famille. Elle ne va pas se rapprocher de votre fille, même un membre de ma famille non plus. Qu'est-ce que je vais encore dire? Elle est aussi amoureuse de toi. Ma fille. Oui, papa. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. N'importe quoi. Tu ne peux pas venir ici pour demander la main de ma fille sans pour autant venir avec tes parents. Dis à tes parents de trouver un jour pour venir nous voir. Oh. Tu m'as compris? Oui. Papa, maman, je pars me préparer pour ça. Attendez juste une minute. Qu'est-ce qu'il veut dire? Juste une minute. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Détends-toi. Je m'en souviens, papa. Il va revenir. Ah, ses parents sont là. C'est bien de vous voir encore. Ah oui, nous aussi. Je suis très heureux que mon fils est pour ta fille. Je suis très heureux. Tu vois, ma fille, c'est ça. Oui, c'est ça. Que Dieu les aime. Donc, c'est ça. Sincèrement, je suis content de vous voir ici. Ça, c'est ma comment fille. Ça a été une surprise pour moi. C'est déjà la famille. Nous sommes déjà là. Petit, la famille est en train de préparer. C'est bien seulement parce qu'on ne peut pas venir. Ça va bien, bien. Oui, ça sera bien. Bien, bien, bien. Banga bien. Je vois comment il est tellement dépassé. Je suis tellement content. Et voilà. Arrête, tu es malin. Mon père risque de rebondir la situation. Attends, les parents sont là. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.